Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Empires Complete Collection, Age of Empires 3, pardon, Complete Collection, acte 4. Donc, on doit faire des tentes, c'est ça? Ah, vous pouvez quand même récolter du bois. D'accord. Faut récupérer du bois. En évitant qu'il meure de froid. Faut qu'on soit 6 cabanes. Sachant qu'une cabane c'est 75 et qu'on récolte 75 en un tiers de barre de vie, il faut en gros qu'on fasse les deux tiers. Ouais. On va essayer d'en faire 3 par 3. Allez. 150 et 75, ça fait 225. À 225, on revient. Allez, go. Parce que, évidemment, ça fait genre super froid. En plus, il reste pas grand chose. Voilà, ça les heal. Donc on va en prendre un. Et le reste, ça va couper du bois. Ou ça vous sert à rien. Toc. Toc. Vous allez bientôt faire tomber l'arbre. Vous revenez. Parce que j'ai juste assez pour le dernier. Soignez-vous. Un petit coup. Voilà. Allez me chercher du bois. Toi tu rentres. Ah oui, quoi que... Non, tu peux y aller. C'est quoi 80 bois. Oh putain. C'est pas le moment. Allez vite. Récupérer un peu de bois. Il me faut 75 de bois, ensuite de rentrer. Et vite. Oh non. Il y en a un qui est mort. Allez, soignez-vous. Ah oui, mais non, mais il en manque. Ok, donc on va chercher encore un peu de bois. Il faut 75. Là, ça vaut 140 nourritures. J'aime bien, c'est des cabanes, mais elles sont quand même bien élaborées pour les cabanes. Hein. Il y a assez. Les Anglais. Bon, on va se mettre à côté du feu comme ça. On n'a pas de problème au niveau du huile. Les baraquements sont terminés. Oui. Notre objectif désormais est de trouver des vivres pour nourrir les troupes. Ah mais c'est 3000 unités de nourriture. Moyennant finance, les boulangers nous donneront de quoi manger. L'armée coloniale n'a pas d'argent. Les tribus locales peuvent peut-être nous aider pour la nourriture. L'argent ne devrait pas être un problème. Je suis sûr que mes petits-enfants comprendront. Il va falloir qu'on évite les patrouilles anglaises. Ok.
Faut trouver de la nourriture. Voilà, donc là il y a de la nourriture. Il y a des cajots de nourriture. Les boulangers près de la ville au sud-est peuvent nous approvisionner. Mais il va falloir. On peut la récupérer ? Ça sert à rien. Ah oui, mais c'est un colon. Voilà, donc du coup, si on sauve le colon... On va pouvoir récupérer de la nourriture. Cette tour nous empêche de rejoindre Valley Forge. Elle doit tomber. D'accord. Alors, on est à combien? 300, bah il faut 10 fois ça, quoi. Ok, encore quelques sources de nourriture. On récupère du bois, je sais pas trop pourquoi, mais on en récupère. Ouais, c'est vrai que là, il y a des buissons à bœufs, quoi. Le truc, c'est que ça a quand même 2000 PV, et j'ai pas 2000 PV en stock, quoi. J'ai pas de quoi me battre contre 2000 PV. Du coup, on va plutôt voir ce qu'il y a pas ailleurs, enfin ce qu'il y a ailleurs. Pour récupérer de la boue, vous. Évidemment. Ah. Il y a des équipements ennemis un peu partout. Est-ce que là ça passe? Oui, là ça passe. Donc du coup, toi t'as dû finir de récolter, tu vas me récolter des baies. On va peut-être rentrer, se poser à côté du feu et repartir ailleurs. J'aimerais que tu te fasses pas tuer non plus. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ce boulanger peut nous vendre des vivres, mais ce sera cher. Ok. Ok, ok. Il va falloir aller chercher le boulanger, ce qui est pas forcément la porte à côté. Ah, ça c'était le Hill Express. Ça, ça vaut du bois. La nourriture. Et des cajots, source de nourriture, source de nourriture. Voilà, donc là on sait qu'il y a de la nourriture. Ça c'est quoi? Il y a de la nourriture aussi. Il y a des baies. À la limite, il peut revenir plus tôt. On va y récupérer des baies ici. On peut aller chercher ce foutoir. On va le faire rentrer déjà. On va le faire rentrer. Voilà. Là, il y a quoi ça? Ah, une grange. Donc là, on va récupérer la nourriture à l'aide des héros. Hop, 80 nourriture en plus. Oui, je sais. Les boulangers près de la ville au sud-est peuvent nous approvisionner, mais il va falloir contourner les patrouilles anglaises. On peut rien faire de cette branche à part récupérer le ce qu'il y a dedans, enfin à côté. Alors, il doit y avoir d'autres trucs. Ah c'est ça, il y a d'autres trucs.
On s'est perdu pendant la tempête. Merci de nous avoir secourus. D'accord. Je t'ai pas franchement secouru, mais si tu y tiens. Alors, de la nourriture. Du coup, je sais pas trop où je vais te mettre, je vais te mettre là. Hein. Là, 70 de nourriture. On pourra faire un comptoir ici, récupérer de la nourriture encore. On atteint presque les 1000. On les a atteints. Mais mes hommes vont chasser pour vous. D'accord. Votre ordre ? Ah, on a des coureurs des bois. Oui. Ça c'est cool. Ils nous ont fourni des coureurs des bois qui peuvent récupérer des ressources. Ok. Prêt, bûcheron. Correct. Ah oui, c'est vrai, bûcheron. Les mecs qui savent pas parler, ou en tout cas qui parlent bizarrement. Alors. Les 40 nourritures. Il y a encore un village. Où sont mes coureurs des bois? Ah, c'est bien d'avoir un petit avant-poste comme ça. Bonjour. Ils sont là, mes coureurs des bois. Là on est bien. Voilà. Ça c'est bon. On va faire un deuxième comptoir. Vous avez découvert des tomates d'une valeur de 30 nourritures et peut faire la sauce pour les pâtes. Et que ça à faire. 40 bois, là il y a de la nourriture, faudra pas que j'oublie à chercher. Je le ferai. Alors. Mais peut-être que certains d'entre nous. Aïe. Aïe, c'est pas du tout cool ça. Je ne veux pas. Eh ben, c'est pas facile. Je sais, arrête de gueuler. Alors là on sait qu'il y a des rouges. Oui. Correct, très bien. Récupère de la bouffe. Ce boulanger c'est pas très grave. Vendre des vivres, mais ce sera cher. C'est pas très grave. De nourriture au camp. Attention aux patrouilles anglaises sur la route de Valleyforge. Pas grave, on va aller suivre la trace. Bon cueilleur. En attendant, ils vont cueillir. Yes, I'll do it. Et il reste 100. Ouais, non, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Voilà, ça y est, on y est.
Voilà, c'est bon. Là. On a réussi. 2979. 81. Quoi, tu y es pas? Général, les réserves de nourriture sont pleines. Le pire de l'hiver est passé. Ah d'accord, ça faisait 1000. Les Anglais sans tarder. Regroupez les hommes et détruisez le fort de Barren Hill. Attendez. Toujours pas fini? Un chariot bâchier est arrivé. Utilisez-le pour construire un centre-ville. Non, jure, tu crois que je vais l'utiliser pour autre chose? Pour faire joli, je vais utiliser. Alors, bon, ben là la question est, qu'est-ce que je vais faire avec tout un toin? Eh ben. Parce que du coup j'ai 6 chargements. 1, 2, 3, 4 déjà. Et 5. Boum. Population en attente 26. YOLO. Ah j'ai pas de bois. Non, des villageois encore. D'accord. On va y aller. Ah, il faut du bois. J'ai plus de bois du tout. Il faut que je détruise ce fort. Soyez prudent. Tu m'étonnes, c'est vrai qu'il a l'air d'être protégé. Nous on va passer à l'âge des forteresses, c'est obligatoire. On va prendre celui-là. Comme ça au moins ça nous rembourse un petit peu. Alors on va avoir besoin de bois pour faire des fermes. J'ai combien? J'en ai 7 en attente des villageois. Ça c'est pas pratique. Parce que j'ai des milices coloniales capables de créer des trucs et pas d'autres. Alors. Ça arrive tout doucement. Donc je fasse une ferme, ça c'est l'objectif. Pour avoir de la production de nourriture. Et au niveau de la récolte de pièces aussi, il faut que je les envoie ailleurs. Je sais pas trop où je vais les envoyer d'ailleurs. Tiens, ils sont avec moi eux. Alors, oula, je suis allé un peu loin. Ah, j'ai quand même pas mal d'unités militaires. Mais ça suffira jamais pour aller défoncer ce fort à 8500 PV. Il va falloir obligatoirement des Fokonos, voire plus. Donc pour l'instant, on s'y attaque pas. Allez, là j'ai forteresse. Ça y est. Une fonderie d'artillerie. Mes petits péons, ils arrivent. On a l'arbre qui a... Enfin, les arbres qui sont bientôt finis. C'est vrai que là, on a un paquet de nourriture. On va mettre des fermes. Enfin, une ferme. On va mettre une ferme. Allez. Mettre une ferme. Alors ils vont récolter les cajots. Voilà. Donc vous, je vais vous envoyer chercher de l'or. Ça fait 20 minutes déjà.
de la nourriture. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Continue encore un peu, faire un Focono. L'idéal, ça serait que j'ai 3 ou 4 Focono avec tout ça. Et que j'améliore ces unités surtout. Il y a des indispensables. Dont améliorer ces unités. Quoi. Ces unités là m'énervent parce qu'à chaque fois je cherche des villageois inactifs et en fait c'est juste eux. Chargement 7 qui arrive bientôt. Alors avec ce villageois je vais construire de quoi améliorer mes unités. En produire d'autres. No! J'ai besoin de plus d'or. C'est vrai que 4 c'est peut-être pas assez. Oh, je cherche à chaque fois les villageois. Et non, ça sert à rien. On attend qu'il finisse les baraquements et ensuite on va arrêter là cet épisode. Parce que ça fait 20 minutes. Et ça commence à faire assez long d'épisode. Ok, encore des unités. Voilà, donc on va arrêter là cet épisode. Ben j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !